Alors sur Dust-It-Off, au niveau de la partition, le petit encart jaune en haut à droite t'explique un peu le principe. Je t'ai noté ça comme des grilles d'accords. Tu as trois notes à jouer à chaque fois. En général, c'est trois cordes séparées, mais tu peux avoir des endroits comme ici, où quand je t'ai mis en jaune ici, tu vas jouer deux fois la même corde. Une fois cette position-là, puis cette position-là. Donc si je te le fais tranquillement, on ne va pas trop faire d'erreur parce que je ne l'ai pas trop dans les doigts. Donc tu fais bien attention, le nombre qui est marqué au-dessus de chaque mesure, c'est le nombre de temps. Voilà, donc si je te fais ça du début, 4, 5, 6, 7, 8, le chant. Là, attention, c'est que 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, ils sont. Ouais. Pardon. S'il t'embête un petit peu celui-là, parce qu'il est un petit peu compliqué à enchaîner, tu peux faire 4 sur celui-là, si ça te simplifie la vie, il n'y a pas de souci. Après, ça reprend pareil. Mais 4 fois, puis cette position-là avec un petit barré, un petit barré ici. Attention, là c'est là où c'est un peu particulier, où tu joues plusieurs fois la même corde. Voilà, t'as ta corde aiguë qui est jouée deux fois, une fois ici, deuxième fois pareil. La même chose, mais tu vas jouer que deux fois. Deux fois celui-là, deux fois celui-là. Ensuite, quatre fois, trois, quatre, deux, trois, quatre. Attention, donc quatrième case ici. Trois, quatre. Tu décales juste l'index. Et puis ça reprend. Petite variante ici. Attention à doigté un peu différent ici, parce que tu as les deux cordes là qui sont proches, plus la corde aiguë. Donc celui-là est plus facile à jouer avec pouce, index et annulaire. Du coup. Et il est joué. Je suis où? Ah oui, je suis là, 4 fois. Et puis on vient au dernier. 5, 6, 7. 8 et on enchaîne sur le refrain. Donc aussi, hein, le segno, pas oublier. Là, quand j'ai ce DS ici, ça veut dire on va au signe. Cette espèce de S tordu, hein, tout est marqué là. Donc voilà, là on reprenait le refrain. Etc. La deuxième fois, le stop, ça sera l'arrêt final en fait. Là où on s'arrêtait pour repartir, ben on repart pas. Voilà pour la guitare sur Dust It Off. J'espère que c'est clair. N'hésite pas, si tu as des questions, on voit ça à la répète.